Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure sur Spider-Man Morales et c'est sur PS5 que je vais le faire. J'ai enfin reçu mon modèle, hein. Merci quand même à ma boutique qui m'ont réservé une petite console alors que c'était un peu la merde pour en choper une. Je vous avoue que j'ai trop hâte, hein, parce que du coup j'ai testé quelques jeux sur ma nouvelle télé et tout, parce qu'en plus comme j'avais dit, j'ai acheté du nouveau matos, donc vu que ma télé m'a lâché, j'ai une télé 4K, donc maintenant la qualité elle est complètement folle. Franchement, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce petit jeu là, je vous avoue. Et je dois avouer que j'ai testé aussi la manette par rapport à Astro Playroom et je trouve ça ultra impressionnant, le truc de avec les vibrations là qui on a l'impression qu'ils se déplacent sur le titre et tout. Et par rapport aux gâchettes où il y a un peu de résistance par rapport à quand il est en mode avec son ressort et t'as l'impression de galérer pour tirer, je trouve ça trop stylé. Donc je sais pas s'il va y avoir ça dans Spider-Man ou quoi, mais j'espère qu'il y aura cette fonctionnalité sur d'autres jeux parce que je trouve ça trop stylé. Mais du coup on est parti pour Miles Morales sur PS5. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de monde qui l'ont commencé, moi j'avais envie de le faire depuis très longtemps, j'attendais cette petite console, mais bon c'est pas grave, on va se lancer ça tout de suite. Alors c'est parti. Alors, donc, on est sur la page d'accueil. Alors, attendez, souhaitez-vous voir un résumé des événements précédents? Ah, bah, vas-y, pourquoi pas, je vais voir ce qu'ils ont fait. Voulez-vous mettre les sous-titres? Oui, bien sûr. Waouh. Oh, merde. Déjà, la ville, là, c'est déjà impressionnant sur mon écran, là. Brooklyn. Représente, j'avais deux parents super, et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé, quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Oh, les visages. Oh. Ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May. Ah non, c'est le nouveau Peter, c'est vrai, il est dégueulasse. Il n'était autre que Peter. Enfin, moi je trouve. C'est fou, hein. Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup de main. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Eh, dégueulasse. A changé. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. Spider-Pot. Je m'entraîne. Je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Ah. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, ma nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Ouais, c'est stylé là quand même. D'accord, on est sur l'écran d'accueil maintenant, d'accord. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a un choix qu'on peut faire dans le début, entre soit des graphismes en 1080, je crois, et... en 4K, je crois, mais en 60 images par seconde pour ce jeu, ou alors activer le ray tracing et tout, mais en passer en 30 FPS. Personnellement, moi, je pense que je mettrais la qualité la plus optimale, la plus dingue, même si on passera à 30, mais étant donné que Spider-Man, le premier du nom, il était en 30 FPS, moi, ça me dérangera pas. Par contre, si je peux avoir des graphismes complètement dingues et avoir le coupé le souffle, en vrai, franchement, sur ce jeu, ça me dérange pas. C'est vrai que sur un FPS, ça me dérange un petit peu plus d'avoir un peu moins d'FPS. Par contre, sur celui-là, je pense que je vais me régaler, donc on va mettre ça au maximal. Ok, on se lance ça tout de suite, du coup. Donc, j'ai bien mis le truc 4K pour, justement... avoir... Oh. Ah d'accord, j'ai la manette qui vibre pour l'arrêt du train, c'est trop bien. Attention, des interruptions de service perturbent le trafic sur la ligne Harlem. Ah oui, ça commence direct là. Je suis coincé à mon QG de la campagne, on est d'accord. Ah, c'est ouf graphiquement là par contre, hein. Aïe aïe aïe. Bon, ça c'est la musique de la démilitarisation, je pense. Lui maintenant avec sa force, il peut te soulever un canapé tranquille, lui. Hein. Comment c'est trop cool. Aïe aïe aïe. Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là dans le truc. Attendez. Cool, merci. Pas de problème. Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Le gamin?
Ouais, peut-être bien. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais, je comprends. Kiosque Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas. Un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau. Au cas où. Ouais, c'est ça. On ne sait jamais, hein. Le convoi. Merde, j'ai pas vu si c'était Peter, je crois que c'est ça, hein. Oula. Oh oui. Oh, c'est quoi cette tenue dégueu? Eh, y a des vibrations là, comme quoi il se déplace là, c'est trop bien là. Oh ouais. Wouhou. Oh, trop stylé. Salut Pete, je suis en chemin. J'ai raté le convoi. Pas encore. Il reste des détenus à sécuriser. Oh ouais. Je dois être content de voir ces types qui se sont échappés l'an dernier retourner au raft. Ouais. J'ai bien compris que c'était R2, je crois, non? Le raft est super moche, mais il est sûr. Que leurs problèmes d'octopodes sont bien réglés. Espérons. Eh, hey, y a une petite résistance sur la manette quand même. À tout de suite. Comme quoi, quand je balance ma toile en fait, c'est trop bien. Miles, que sale. Est-ce que t'as fait les courses? Salut maman. Ouais. Mais il y avait plus d'être beaucoup à la bodega. Je vais dans une boutique du champ. Oh, merci. Mais c'est parti. Ah bah ça oui. Par contre sa voix elle est partie en vrille là. Pourquoi elle est... Pourquoi elle est pas... Le mec qui parle comme ça, c'est quoi ce délire? Il est en train de partir ça, complètement en couille. Aïe 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 aïe. Le saut d'araignée. Bah oui bah ça c'est ça non. Normalement il n'y a pas un truc genre si je vise je peux me mettre sur les points de... Voilà comme ça là. Ah non c'est pas ça. Tu vas aider Spider-Man à protéger un convoi géant de prisonniers. Tu peux y arriver. Convoi géant. Expiration. Est-ce que ça va pas partir en couille? Merde. J'avais même pas fait gaffe, c'était là. Course murale. Ah oui. Aïe aïe aïe. Wouhou. Pete. T'es là? Non. Ouais, je fais le plein de carburant. What? Ah non, j'ai cru que c'était de la glace. À boire. On sent très attention. Okay. En voiture. Oh, stylé, il l'a mis dans le truc. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du rap l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule. La police ne veut pas prendre de risque. Oh ouais. Avec notre invité d'honneur. On a beaucoup d'interférences là. Des anciens complices de Doc Ock? Possible. Peut-être Vulture. Ou peut-être Scorpion. Ou peut-être quelqu'un de plus gros. Ah, ça doit être le Rhino, ça. Non, Max, laisse-moi. Je me l'occupe, Pete. T'inquiète. Max, non. C'est sécurisé. Dérivé, Elite 2. Vous pouvez manœuvrer par ici. Corrigez vers le... Ouh là là. Oh bordel de merde. Ah ouais, bah ouais, bah là en plus c'est le... ça a l'air d'être le Rhino là-dedans là. De s'ouvrir avant. C'est le Rhino. Avant que ça n'arrive. Ah non, attends. Ah si, c'est lui, ouais. Salut, les petites sarées. Oh boy. Bâtard, il en libère d'autres. Miles, prends Rhino. Occupe-toi
Bonjour. Bonjour les dames. Boum. Ah ça y est, oh ça commence. Ok, là c'est bon, ça c'est stylé. Ah attends, j'ai vu un truc. Attends. Hop là, boum, dans ta gueule. Voilà, parfait. Ouh. Ah le bâtard, ils vont le taper. Ah non, c'est quoi? Ah, ils ont des armes. Hop là. Ah oui, d'accord, c'est vrai que je peux faire ça, d'accord. Ok, vous soignez. Bon, j'étais pas blessé, non? Bah, je crois pas que j'étais blessé. Allez, salope. Attends, toi tu m'énerves. Hop là, c'est bon. Hop là. C'est bon ça. Ils sont en train de se faire des petits tests et tout, c'est marrant. Wouhou. Je n'avais encore jamais vu d'aussi près. Ah c'est qui dit ça? Ah oui. Oh bâtard, il est gros lui. Ah non c'est bon. Hop là. Oh ça. Oh j'adore, c'est nerveux là. Ah là. Le gameplay de ce jeu c'est trop dur. Merde. Bah, c'est quoi ça? Ouf c'est bon. Ah le bâtard il s'échappe. Ah, il faut mieux s'occuper de lui là-bas. Hein. Bah, vaut mieux prendre lui, hein. C'est quand même le plus balèze lui. C'est quoi ça? What? L2 plus R2, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est celui-là, ok. Ah, il a fait un trou. Wouhou. Attends, il me lance des trucs dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Je me suis planté, attendez. Hop. J'essaie de retrouver. Non, la fête annuelle. Ouah, ok, d'accord. Ah, c'est vrai que quand il est en pleine action, sa voix elle part un peu en vrille quand même. J'arrive, t'inquiète. Ouah, il est en train de tout péter. Ok. Ah, c'est bon. Oh, ah, si je peux le diriger, c'est trop bien! Hop là, les gars, esquivez! Oh, c'est trop stylé! Par contre, c'est quoi ce bug là? Ouais, j'ai un petit bug, les gars, regardez-moi la couleur du merino! C'est parti en couille, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Alors, attends, sauf si je l'emmène là. Non. Aïe. Hop là, boum, dans la tête. Merde, raté, voilà, c'est bon. Aïe, bien joué. Non, pas le sapin. J'ai passé les 6 derniers Noël derrière 10 mètres d'acier. Oh, stylé. J'ai bien l'intention d'en profiter. C'est une menace. Oh là là, l'intro, elle déboîte, quoi. Une exécrable menace. C'est une affligeante, consternante. Non, mais il est bugué, mon truc. C'est quoi ce délire? Une scandaleuse, méprisable, intolérable menace. Correct. Regardez, mon Rhino, comment qu'il est bugué. Il est déjà tard. Allô, rien. Ouais. Attendez, mais il est où? Bah oui, mais je l'ai perdu. Il est passé où, cet enfoiré?
Bon, au moins ça va peut-être le débugger. Voilà, il est débugué, ça y est. Ok, il était là. Ok, ouais, c'était trop bizarre ce bug là par contre. C'est pas bien de mentir. Aïe 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 aïe. Oh la pla, qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah, je voulais faire un truc mais j'ai raté. Ah, reste là, j'en t'ai dit là. Pourquoi l'immobiliser? Et vite. Ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça. Oh putain de merde. Oh, pas bon, pas bon du tout. Oh boy. Pete, est-ce que ça va? Oh la va. What? Ah oui d'accord. Oh. Ok c'est bon j'esquive, regarde. Hop là l'esquive, t'as rien vu venir ça hein. Hop là. Hop là les gars. Hop là, dans mon pote. C'est bon, j'ai réussi à esquiver. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là par contre. Ah oui, c'est vrai que je peux renvoyer. Hey, il m'enlève là les points de vie en plus. Ok, c'est bon, j'arrive. Hop là. Toi, tu m'énerves avec ton lance-roquette là. Non, t'as avec ta mitraillette. Attends, si vous réalisez un combo de 15, vous pouvez exécuter un coup de grâce, atteignez le combo de 15, d'accord, ok, on va tester. Ok, ah, c'est ce genre de combo. Voilà, c'est bon. Attends, on va essayer de réaliser un combo. Ok, toi tu viens là. C'est bon, oh, c'est bon, j'ai réussi. Je fais un combo de 8. Combo de 12. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? What? Viens là, toi. Appuyez sur triangle pour... Allez, te botter le cul. Coup fatal. Hop là. Oh, le coup de tatate dans ta bouche, là. Mais toi, tu m'énerves, toi. Voilà. C'est pas évident de se retrouver dans le gameplay quand t'as... Quand t'as oublié, justement, le gameplay. Merde. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ensuite. En bas, en bas. Voilà, c'est bien ce que je pensais, cinématique. Spider-Man, ça va? Oula. Oh, j'ai cru qu'il allait lui mettre un coup de pied dans la gueule. Pete. What? Pete. Il a pris tellement cher. Pete. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Non, bah, en même temps, il était dans le rayon de l'explosion. Hein. Ce Spider-Man est cassé. Je voudrais l'échanger contre un neuf. Je prends celui-là. Oh. Est-ce que je vais pas avoir mes nouveaux pouvoirs là? Reste pas ici. De lui. Et boum. Oh boy.
Ok, c'est bon, le point électrique. Alors, L1 plus carré, c'est celui-là. Oïe. Alors ensuite, les points parade. Ok, c'est parti. Les points. Alors attendez, coûte de la puissance bioélectrique. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des trucs électriques sur le côté. Ok, c'est bien ça. Attendez, hop là. Merde. Oui, d'accord, on sait. Il faut que je le mette à terre et qu'ensuite je le tabasse. Tiens mon gars, qu'est-ce que tu fais là? Aïe. Aïe. Oh, c'est monstrueux, ça fait mal hein. Hop là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, balance-moi un caillou. Ah merde, je pensais pouvoir lui rebalancer dans la gueule. What? Ah merde. Ah. Oh, tellement stylé le combat, bordel. Allez, hop. Parfait, parfait, on défonce. Hop là. Hop là, tu prendras pas ça, t'es malade ou quoi toi? Alexei. Vite. Oui c'est bon, j'ai réussi à l'empêcher. Oh là 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 là, le combat est tellement stylé. Hop là. Merde. Wow. Attendez, la caméra elle part sur le cul là, c'est bon. Oh putain, mais je vais mourir. Voilà. C'est bon. Il est où? Il est là. Ok. On fait ce qu'on se peut, mais là j'ai rien pour me soigner en plus. Oh c'est bon. Ah non, c'est pas encore bon. Oh. Oh là 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 là. Et énervé son poids électrique quand même. Plus ou moins. Aïe. Messieurs, waouh, c'était waouh. Simon Krieger. Directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement, désolé, je crois que notre ballon a atterri chez vous. Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on comptait tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide. Je voulais vous remercier. Tous les deux. Merci. Terrasser Rhino. En solo. Tira loin, mon grand. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici, et ce genre de choses arrive. Oh, le devoir m'appelle. Hey, c'était super de vous rencontrer, les garçons. L'avenir s'annonce radieux. Allons. Hey, il bouge encore, il bouge, hein. Il a raison. On décolle. Il a pris tempête, mon gars. Ouais. Il a pris tellement cher, le Spider. En tout cas, ça fait quand même plaisir de retrouver Donald Renew sur ce rôle, hein. Franchement. C'est vraiment pour moi le vraiment la meilleure voix à Spider-Man. Bah, je vais pas te mentir. Je suis un peu jaloux. Oh, arrête. Je suis loin de t'arriver à la cheville. On devrait peut-être faire des tests demain. Une petite analyse du voltage. Ah, mince. Ouais, désolé. Je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. Ah merde. C'est encore une de tes blagues, c'est ça? Non, en fait, MJ part en voyage pour le Bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh.
C'est sérieux entre deux. Je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné. Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hey, j'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Ah oui. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau de Noël. Le mec qui avait tout prévu. Tu dois prêter serment. Hein? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, ah, c'est bon. Les détails du visage, c'est pas mal, hein? C'est sérieux, ton serment? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi? Que c'était de l'impro? À dans quelques semaines, Spider-Man. À quelques semaines, quand même. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Va te falloir une tenue là, parce que celle que t'as là, c'est pas ouf. Hein. Je suis le seul Spider-Man de New York. Faudra pas se planter. Aïe aïe aïe. Accroche-toi à tes lance-toiles. Oui, bah ça c'est normal en même temps. Bon, du coup, on va s'arrêter ici sur ce premier épisode. En vrai, franchement, grosse impro. Grosse intro, pardon, pas impro. Ouais, ça commence très très bien. Franchement, je trouve que le combat était stylé, son pouvoir qui se débloque. Donc, il va en avoir plus au fur et à mesure et tout. Ouais, non, surtout qu'en plus, le truc de la manette, là, tu sens en limite que... avec les vibrations, tu vois, qui se balance et tout. Je trouve ça trop cool. En tout cas, voilà, j'espère que ce premier épisode sur Spider-Man PS5 vous aura plu. On se retrouvera donc pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde.